Allez, ça se fait. Voilà, c'est calme. Peu de piratage informatique. Et c'est reparti. J'ai redirigé le courant vers le terminal principal. Oh, on revient. Les allers-retours. Oh, ouais, des Captain America. Et un Febreze. Ouais, non. Cherche-toi. Voilà, touché. Non, mais oh. Commandant, le croiseur commence le bombardement. Commande des canons réparés. Visée fonctionnelle. Coordonnées, lieutenant. C'est envoyé. Je tire. Je répète, tire direct. Voilà un spectacle réjouissant. Parfait, tout le monde a fait du bon travail. Ces canons sont vachement vieux, mine de rien, et ils ont éclaté un croiseur Cerberus en un shoot. Ils one shoot les croiseurs Cerberus. Eh ben les Krogan, hein, ça rigole pas niveau armement. Trucs sont les trucs sont vieux de plusieurs siècles, ils allument encore des croiseurs modernes. Enfin bon, mission N7 terminée. Shepard, avec les canons Krogan opérationnels, Cerberus nous a en fait donné l'avantage dans ce système. L'ennemi va en retraite, mais nous pensons qu'il reviendra pour tenter de prendre le complexe. C'est probable. J'envoie une équipe de l'Alliance pour le sécuriser. Grâce à vous, ils ont pu établir une bonne position défensive. Ravi de l'entendre. Bien joué, commandant. Paquette terminée. 10 000 crédits, yeah. Ça, c'est du financement. Non, je déconne, c'est de la merde. Enfin, bref. Extraterrestre. Ouais. Vous voyez, la barre verte, c'est ce que j'ai en termes de force militaire active. Le gris, c'est ce qui est c'est ce qui n'est pas encore actif. Eh ben, déjà, à peu près à moitié des points. Alors force Anari et Dorian, apparemment il y a une mise à jour. C'est spécialement pour les Anari étaient distribués au capitaine de flotte aussi. Mais t'as bossé, Vika. Qu'est-ce que t'as dit? Mais t'as bossé, Vika, ça va pas ça. Ouais. T'as que la moitié. C'est pas bien. Première division Krogan. Ah oui, c'est bien ça, les Krogan, c'est bien. Krogan, ils sont forts. Partage la réserve. Les Krogan, s'ils se mettent à je sais pas combien, ils pourraient faire des dégâts à un moissonneur. Ah, c'est clair. Bon, faudra qu'ils soient beaucoup, et puis je pense pas qu'ils le détruiraient à mon aide des milliards. Non, mais le truc, c'est que les Krogan, contrairement aux autres races, eux, ils hésitent pas à y aller à l'arme nucléaire. Sarah, vous avez des nouvelles de votre ami? Ah, j'en ai non. Celui qui a Cerberus. Enfin, quoique. Non, j'ai fait un rapport par presse. À voir. Je veux pas de ça dans mon dossier. Donc, moi, je suis plutôt pour l'arme nucléaire quand on ne m'attire pas. Surtout que dans l'espace, c'est assez efficace. Commandant. Ouais. Ça a quelques effets assez marrants sur les vaisseaux ennemis. Dans le genre, défoncer tous les systèmes électroniques, provoquer des mini-réactions nucléaires dans la coque, ce genre de petits détails.
Donc, les appareils électroniques en général, et là, je dirais. Ah ouais, c'est clair. Ça crée une impulsion électromagnétique, et là, c'est la chiasse. C'est pour ça que les armes nucléaires dans l'espace, c'est bien. En plus, il n'y a pas de problème avec la radioactivité, tout ça, donc bon, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, t'as la paix. Ouais, autant sur une planète, je suis plutôt contre l'utilisation d'armes nucléaires, parce que c'est casse-pied. Ennemi détecté aux coordonnées d'atterrissage. Ouais. Joker, qu'est-ce qu'on a? Ça dépend. Les capteurs ont un moissonneur au complexe du vol. Vous n'arriverez jamais à y faire atterrir une navette. Merde. Oh. Tout le monde dans le centre de commandement, gardez un contact visuel avec le voile. Et carrément moissonneur sur la Zeta. Eh ben. Nouvelle forme de moissonneur. Utilise voile pour empoisonner l'atmosphère de Tuchanka. Problématique. Aïe, Flo a merdé. Ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Primark, on va avoir besoin de vous. Ça risque d'être difficile. Nos pertes sur Palaven ont été catastrophiques. On fait ça pour Palaven. On n'a jamais dit que ce serait facile. Qu'avez-vous en tête? Une attaque combinée. Votre peuple frappe le moissonneur depuis les airs. Et Vrex, au même moment, vos soldats lancent une attaque au sol. Ensemble, vous pourrez l'éloigner de la tour. Aujourd'hui, une mise à jour. Oui. Diversion. Petite équipe peut atteindre complexe du voile et synthétiser remède. Eve devra venir avec nous. On n'a jamais affronté un moissonneur d'aussi près. C'est bon pour tout le monde? Vous voulez rire? En avant, Pidjack. Il est temps de guérir le génophage. Pidjack. Ah, c'était marrant de défoncer les Pidjack avec les tourelles lance-roquettes dans Mass Effect 2. Dalatras? Dalatras? Shepard, nous savons que vous avez rejoint Tuchanka. Et j'imagine que Mordine vous a suggéré d'utiliser le voile. Vous nous espionnez? Nul besoin. Le voile est le seul plan d'action qui ait une chance de fonctionner. Commandant, ne laissez pas vos naïves affinités avec les Krogan obscurcir votre jugement. Croyez-vous sincèrement que guérir le génophage peut mener à une paix durable? Nous devons laisser cette chance aux Krogan. On ne peut pas condamner une race tout entière sur de simples suppositions. Ce qui se passera, c'est que les Krogan proliféreront dans tous les sens. C'est pour leur nature barbare que nous avons édifié les Krogan, pas pour leur talent de diplomate. Une nouvelle guerre est inévitable. Que voulez-vous, Dalatras? Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Mordine devrait vite trouver et réparer la défaillance. Mais si vous l'en empêchez, cela compromettra la viabilité du remède qui restera sans effet. Nul ne verra la différence. Vous voulez que je roule les Krogan? Inutile qu'ils en sachent trop. Laissez croire à Urdnot Vrex que vous avez tenu parole. Mordine n'approuverait jamais ça. Je vous laisse vous occuper de lui, commandant. Nous mettrons à votre disposition nos meilleurs scientifiques pour construire le creuset, ainsi que l'ensemble de nos flottes. Si je sabote le remède... C'est à vous de voir, commandant. Réfléchissez bien. Déjà, j'adore Shepard qui la regarde même pas, mais bon. Qui regarde sur le côté. Style, attends, il y a un truc plus intéressant à regarder. misère. Bon, bah, ce coup-ci, je prends Garus et Idea. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a le scorpion, elle. J'ai ordonné au clan de se rendre dans les ravins. C'est notre lieu de rassemblement sacré.
Nous atterrirons là-bas et dirigerons un convoi blindé contre le moissonneur. Ce sera le rendez-vous avec l'histoire des Krogan. Histoire Krogan pleine d'événements critiques, souvent sanglants. Pas cette fois, j'espère. Commandant, qu'est-ce qui vous trouble ? J'ai reçu un message de... Vex, c'est vrai ! Les moissonneurs sont déjà dans les ravins. Sortez l'artillerie lourde. Accrochez-vous, on y va. Coucou. Je sais pas, écartez-les de la femelle. Je vais mettre les choses en ordre avec les autres. Ah là, c'est un truc que j'aime. Comment c'est direct une bataille en éclatant un zombie à coups de fusil à pompe. Tout le monde choisit une cible et surveille ses fesses. En avant. Attends. Sors le fusil à pompe là. N7 Crusader. Avancez. Les laissez pas monter jusqu'ici. Shepard, c'est moche par ici. Quoi qu'il arrive, tenez-les à l'écart de la femelle. Petit. Hey Flo, je suis bientôt à 1000 et demi tués. J'adore cette arme, elle sert absolument à rien. Prends ça dans ta gueule, pourriture. Il ne reste que quelques ennemis. On chantera cet exploit un jour ou l'autre. Notre sol s'est enfin gorgé du sang du moissonneur. Il faut atteindre le voile. L'escadrille est en route. Femelle sauve, Shepard. En bonne santé. Que fiche un galarien ici ? Ce n'était absolument pas prévu. Plusieurs Krogan. Problématique. Qui êtes-vous ? Urdnot Vrive, frère de portée de notre illustre chef. Vrive et moi partageons la même mère. Rien de plus. Et j'en suis heureux. Je me souviens de ce qu'est un vrai. Nous écorchons vifs nos ennemis et nous les noyons dans leur propre sang. Nous ne les invitons pas chez nous. Ce galarien n'est pas notre ennemi. Il est ici pour remédier au génophage. Les siens nous ont donné le génophage. Pourquoi le croire ? Parce que ah, la méthode Krogan. Et tu obéiras. Non. Ouais, j'ai resté là, retourner le couteau dans de vieilles plaies. Vous vous battre contre votre ennemi naturel et donner un avenir nouveau à nos enfants. Je choisis de me battre. Qui est avec moi ? Je le suis. Et moi aussi. Maintenant, relevez la tête, comme de fait Krogan. Nous avons un moissonneur à tuer. Les blindés Krogan, ça me rappelle vachement les Juggernauts. Ici l'escadrille Turienne Artimec. Notre plan de vol vers le voile est verrouillé. Nous sommes à 10 minutes et nous approchons. Bien reçu, Artimec. On est en route, on se dépêche. Shepard, terminé. Vrive n'est pas le seul Krogan à vouloir se venger du génophage, Vrex. Il faudra parvenir à les maîtriser. Je demanderai que le Conseil nous rende une partie de notre territoire. Il nous faudra de la place. Et ressusciter la gloire des anciens. Gloire des anciens mena aux rébellions. Morts innombrables. Création.